Découvrez « Dis-moi pourquoi », le podcast qui vous explique tout sur tout. Pourquoi les zèbres ont des rayures? Pourquoi le tournesol se tourne vers le soleil? Pourquoi l'eau de mer est salée? Ou encore, pourquoi les feuilles tombent des arbres? « Dis-moi pourquoi », le podcast pour tout comprendre, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. « Dis-moi pourquoi ». Pourquoi les chiens remuent la queue? Ah oui, tiens. Bah, c'est vrai, ça. Bah pourquoi? Oui, dis-moi pourquoi. Bah, oui, pourquoi? Est-ce que tu sais, toi? Bonjour. Bonjour. Il faut d'abord savoir que les chiens, qui ne peuvent pas parler, utilisent plein d'autres moyens pour communiquer et se faire comprendre. La queue des chiens est un moyen d'envoyer des messages pour exprimer leur état. Comme toi, par exemple, quand tu es en colère et que tu fronces les sourcils. Les chiens, eux, ne peuvent pas exprimer beaucoup d'émotions avec leur gueule et doivent donc le faire par d'autres moyens. Ils vont par exemple grogner ou aboyer quand ils ont peur ou quand ils sont énervés. Mais il y a aussi la queue qui va leur servir pour faire passer des messages aux autres chiens. Quand le chien lève la queue, par exemple, c'est pour dire aux autres qu'il est le plus fort et que c'est lui le chef. Quand au contraire, il range sa queue entre ses jambes, c'est qu'il a peur et ne veut pas qu'on l'embête. Quand les chiens remuent la queue, cela peut vouloir dire plusieurs choses. Les spécialistes des chiens ont compris que quand la queue remue d'un côté, cela veut dire qu'il est excité ou content, et quand elle remue de l'autre côté, le chien est plutôt stressé et énervé. Il faut donc faire très attention. Quand un chien remue la queue, il n'est pas forcément content. Et voilà, tu sais maintenant pourquoi les chiens bougent la queue.